Nous sommes d'étranges artisans. Nous créons, souvent sans le savoir, pris par un quotidien qui happe presque continuellement notre attention, nous créons de nouveaux savoirs, de nouvelles attitudes, de nouvelles aptitudes. Nous ne faisons pas attention à ce qui vit en nous, au plus profond de notre cœur, ni au processus de transformation qui s'y élabore et nous échappe. J'aimerais aujourd'hui vous parler de ce talent que nous n'avons pas encore, ou trop peu, découvert ou exploité. Nous ne le découvrons que trop peu, parce que nous traversons notre vie en demi-teinte. L'existence est en fait de joie et de contrainte, de plaisir et de douleur, d'enthousiasme et de dépression. L'être humain se tient sur le chemin de sa vie, comme le funambule sur un fil, en constante quête d'équilibre. Et c'est normal. Seuls les cadavres n'ont pas besoin de trouver leur équilibre. La vie est mouvement, et le mouvement induit, comme la marche, le besoin de retrouver sans cesse notre assiette. La marche est générée par le basculement en avant du corps, ce qui provoque un mouvement de chute, rattrapé par la projection d'une jambe vers l'avant, puis compensé par la projection de l'autre jambe à son tour. Un pas nous déséquilibre, le temps de prendre appui sur le pas suivant. Si nous devenons conscients de ce mouvement de la marche, nous laissons notre corps nous enseigner une chose élémentaire. Nous sommes aptes à retrouver notre équilibre. Que ce soit au plan physique ou psychique, nous avons tous les atouts pour maîtriser la loi de la gravité. Même en cas de chute, nous savons nous relever et reprendre notre chemin, chute physique ou chute morale. Or, la vie est faite de dénivelés, d'obstacles, de limitations, d'échecs, de frustrations qui nous arrêtent dans notre élan, nous font tomber ou nous immobilisent. Les coups du sort nous paraissent cruels, souvent injustes, et nous rêvons d'une vie fluide et sereine, sans à-coups, sans défis, sans peine. C'est oublié que tous les aléas de nos existences ne sont que les grains de sable qui nous permettront de créer, puis de polir de magnifiques perles de grande valeur. La nature nous enseigne. Les huîtres sont de curieux coquillages qui, sous des dehors aux aspérités dures et rugueuses, peuvent nous apprendre de surprenantes choses. Vous demanderez sans doute ce qu'un mollusque peut nous enseigner, et pourtant, nous avons en effet le même pouvoir de créer des perles aussi parfaites que ces anodins coquillages. Le caillou dans la chaussure du marcheur est un frein à sa progression. Sans doute le contraint-il à l'arrêt. Nous avons tous un ou plusieurs cailloux dans nos chaussures. Certains ne sont que des grains de sable, d'autres des gravillons, d'autres plus acérés encore blessent comme des clous. Ce sont les aléas de notre vie, les conflits, les échecs, les séparations, les trahisons, les insultes, les coups, les refus. La vie n'est pas toujours tendre, loin s'en faut,
Et les temps que nous traversons nous en font éprouver la cruelle réalité. Nous avons le choix de nous arrêter comme le marcheur et de chasser l'intrus, lorsque c'est possible. Mais parfois, la chair est trop meurtrie pour reprendre la marche. Savez-vous que l'huître forme une perle à la suite d'une agression ? Par un mécanisme naturel d'autodéfense, lorsqu'un corps étranger entre en elle, à l'intérieur de sa coquille, qu'il s'agisse d'une poussière ou d'un grain de sable, l'huître isole l'intrus en formant un kyste fermé, appelé sac perlier, programmé pour reproduire la structure de sa coquille. Peu à peu, et sans modèle donné, l'huître va façonner une perle en produisant couche après couche de la nacre, jusqu'à produire plus de 1700 épaisseurs de nacre en l'espace d'une année. Et ce, de façon symétrique, périodique et régulière, afin que la perle offre une rondeur des plus parfaites. Chose étrange, dans tout l'univers, l'huître est un des seuls êtres capables d'un tel travail régulier et périodique, avec une auto-correction qui lui permet d'affiner ou au contraire d'épaissir une couche afin d'en aplanir les irrégularités. Lorsqu'une épreuve arrive, nous avons le loisir de nous battre avec elle, de nous y déchirer l'âme et le corps, ou, comme l'huître, de l'absorber et de la recouvrir de nacre, couche après couche, patiemment, afin d'en faire une œuvre d'art. Rien de ce qui nous arrive n'est gratuit, et les injustices les plus criantes le sont afin d'éveiller en nous de nouvelles ressources. Quand bien même nous nous sentons incapables de l'accepter. L'huître ressent peut-être comme cruelle et injuste l'agression d'un corps étranger, et l'en fait pourtant une œuvre d'art. Il en va de même pour nous. Parfois, nous avons la chance de nous en apercevoir au cours de notre existence, et parfois nous devons passer le porche de la mort pour nous en rendre compte. Car sous les dehors et les aspérités de nos égos, la perle peut demeurer invisible durant une vie entière. Si nous ne parvenons pas à nous ouvrir avec confiance à la vie qui nous porte et qui nous veut du bien, alors nous pouvons receler des trésors à notre insu. Ne pensez-vous pas que les conséquences de vos douleurs passées ont pu créer une ou plusieurs perles en vous? Ne pensez-vous pas que ceux que vous croisez ou côtoyez possèdent également une ou plusieurs perles en eux? Que gagnerions-nous à demeurer fermés alors que nos plus grandes richesses sont en nous? Et si vous pensez ne porter aucune perle en vous, si vous croyez n'avoir jamais côtoyé qui que ce soit en portant au moins une, c'est que vous n'avez pas encore approfondi votre regard, qu'il n'est pas encore suffisamment pénétrant pour voir au cœur de votre cœur, au cœur de son cœur. Car face à l'épreuve, certains développent la perle du courage, d'autres celle de l'espérance ou de la stabilité, d'autres encore celle de l'amour, du pardon, de la bienveillance, de la paix, de la douceur, de la patience. Regardez en vous le nombre de perles que vous avez déjà façonnées, et considérez toutes celles
que vous êtes en train de façonner dans les jours d'aujourd'hui, afin que vous réjouissant de découvrir leur chatoiement à l'avenir, vous traversiez ces temps particuliers avec joie et sérénité, dans la confiance de votre destinée. L'huître ne peut pas ne pas créer de perles. Votre cœur ne peut pas ne pas créer de vertus.